Moi, j'ai l'honneur d'être le professeur principal du BTS Profession Financière et Immobilière à Maastricht, plus les NCPIF, c'est-à-dire la licence professionnelle immobilière. J'ai un parcours de banquier d'affaires où j'ai collaboré au montage de la banque postale, où j'ai également été caisse des dépôts et consignations gestion, grande filiale d'asset management, et où j'ai toujours eu un parcours de gestion d'actifs depuis les sociétés de bourse en passant par la banque d'affaires et par les sociétés de gestion. Alors, les familles les plus riches de la région, on ne va pas faire de dénonciation malveillante, mais on a, si vous voulez, un classement qui est le classement Challenge, qui paraît en général en juillet, août, septembre chaque année, et où sur les 500 premières fortunes, on dénombre 35 à 40 fortunes qui sont sur le bassin champenois au sens large, depuis la Marne jusqu'à l'Aube, on va dire ça comme ça, et où on retrouve des grands noms, donc sans compromettre qui que ce soit, en étant très bienveillant, où on a la joie, on va dire ça comme ça, de lire bon nombre de familles qui sont déjà sur des étiquettes de bouteilles de champagne ou des familles qui possèdent des grandes maisons et qui sont par des alliances ou par des mariages déjà propriétaires de maisons, de terres, d'outils de vente et d'outils fonciers et qui ont la chance de porter loin et fort le nom champenois. Si vous voulez, on peut répondre de deux façons, c'est-à-dire par rapport à l'histoire. Est-ce qu'il y a déjà des maisons qui ont disparu ou des grands noms qui ont disparu? La réponse est oui par rapport à ce que l'on a appelé la conquête américaine, c'est-à-dire il y a 200-300 ans du temps de Charles Etzick. Aujourd'hui, vous avez vu que certains noms peuvent être portés par deux, trois marques différentes. C'est le nom Etzick, le nom Perrier, à travers parfois des liens où les familles ont plus ou moins un lien fort, ou parfois même rien à voir en commun. Et puis vous avez des personnes qui ont manié une émergence, auxquelles il faut rendre hommage. Alors moi je rendrai hommage à ceux qui ont fait en sorte que le nom champenois soit introduit en bourse. C'est le cas bien sûr de Paul-François Blanquen, c'est le cas de Bruno Paillard, c'est le cas de grandes familles qui ont toujours été en bourse ou de familles qui n'ont pas choisi la bourse mais qui sont toujours là, indépendantes, non cotées, et également des autorités, on va dire, ou des institutions, parce que comme vous le savez, c'est tripartite, c'est-à-dire vous avez les maisons de champagne avec le négoce, vous avez les coopératives et puis vous avez les vignerons. On a à côté, bien entendu, de quelqu'un comme Bernard Arnault, l'activité et le champagne parmi d'autres, on a des gens qui ont ce qu'on appelle des produits purs. C'est le cas par exemple de Bruno Paillard, c'est le cas de Paul-François Blanquen, c'est le cas de maintenant Pierre-Emmanuel Tettinger et de sa fille. Vous avez des gens qui incarnent des produits purs, qui incarnent des exemples pour la champagne et je dirais même des autorités intemporelles, sans prendre de grands mots, mais qui disent bien ce qu'ils veulent dire. On a une chance assez formidable, c'est d'avoir un journal local qui reprend bien tous les mardis matins dans son supplément saumon ce qui se passe en Champagne avec des journalistes de premier ordre et qui suivent ça très très bien et qui ont montré encore récemment dans une très belle étude qui avait été dirigée par Mme Aubénard si j'ai bonne mémoire, que nous avions des intérêts étrangers qui étaient en diminution en Champagne. Notamment parce que les Canadiens ne sont plus vraiment présents, les Américains sont encore un petit peu présents, mais de bien moindre façon qu'il y a 20 ou 25 ans. Et puis les Allemands, les Autrichiens, les Italiens ou les Espagnols nous ont récemment quittés et sont aujourd'hui dans des petites maisons quand ils sont encore là. On voit bien que Reims est quand même une place forte, assez extraordinaire. On a une très grande école de packaging qui, dans le monde entier, s'est illustré pour des parfums, mais aussi pour, bien entendu, des cartons de maisons de champagne, et aussi pour un savoir-faire unique au monde. On a, au sein de Maastricht, des gens qui vont émerger pour servir les écoles du luxe, les masters spécialisés. On a, en communication, des personnes qui vont se mêler également d'une politique commerciale, industrielle et marketing en la matière. On vient d'annoncer également à Reims une école de joaillerie. On a des campus
comme Neoma, Sciences Po Reims, qui reprend une grande partie des éléments de Sciences Po Paris, donc qui fait que tous ces éléments sont extrêmement pro-cycliques, comme on dit en économie, et que moi je suis très confiant pour qu'il y ait une expansion, et que parce qu'on sait qu'on vient de Reims, ben on vienne à terme d'une Silicon Valley du luxe. C'est encore trop tôt pour dire ça. Mais peut-être que dans 15 ou 20 ans, ça sera beaucoup plus actuel. Bien entendu, de par son ancrage. Mais vous avez aussi les coopératives qui développent des éléments de luxe dans leur domaine d'activité. Le malt, le blé, la qualité céréalière, la qualité betteravière, la qualité sucrière. Donc au niveau qualitatif, dans le monde agricole et dans le monde, on va dire, du produit haut de gamme, le produit haut de gamme c'est le luxe, mais c'est le luxe dans différents domaines, on est très en pointe, on est très regardé. Et en plus, en ayant la chance d'être à 40 minutes de Paris par le TGV, et on viendra considérer qu'un circuit touristique et œnologique est indispensable, et un circuit du luxe est indispensable en Champagne et à Reims et à Épernay et à Chalon, au même titre que de visiter le Louvre ou Versailles. C'est ça qu'on peut souhaiter à notre génération. Non, on ne peut pas dire qu'il est en déclin, il est en termes de restructuration douce, on va dire ça comme ça, et avec toujours des gens qui sont très bienveillants à son égard et qui sont des gardiens de la régulation. Le CIVC, la commission tripartite et tous les grands que nous avons au sein des chevaliers également qui veillent sur l'ordre des coteaux champenois. Et avec tous ces éléments-là, on a toute une cohorte de personnes qui sont en protection de ce champagne. Après, ce champagne, il connaîtra des évolutions comme il a connu dans les années 90-2000, comme il a connu après la guerre. Je rappelle simplement, sans faire un historien un peu grincheux, que dans les années 30, dans les familles et les successions, posséder du raisin par rapport à posséder de la forêt ou des champs de betteraves ou de pommes de terre, celui qui possédait ou qui avait envie d'avoir des vignes passait en troisième position. Il n'était pas considéré comme prioritaire. Et que, en toute modestie, on a vu des gens s'enrichir ou devenir capitaliste au sens propre du terme en Champagne à partir des années 45-50. Donc nous sommes en fait pas des nouveaux riches, mais nous sommes des gens de fraîche date dans le monde du luxe. On va faire très simple. Il n'y a pas eu de grande introduction en bourse dans le champagne depuis la fin des années 90. Depuis, on peut penser que il y aurait de la place pour un capitalisme actif, pas seulement par crowdfunding ou par fonds de capital risque. Enfin, moi j'observe tout simplement, c'est très factuel ce que je dis, c'est que nous n'avons pas un fonds de capital risque dédié à la Champagne et que nos amis lorrains et alsaciens sont charmants dans le Grand Est, mais qu'il faudrait qu'ils nous laissent opérer en la matière sur le sujet. De même qu'on pourrait avoir une grande foncière et un grand établissement public foncier sur Reims et même jusqu'à l'Aube. Je rappelle quand même que nous n'avons pas aujourd'hui de liaison ferroviaire directe Reims 3 et que c'est quand même extraordinaire de ne pas avoir ça, alors que certains ministres de l'Environnement, que je ne citerai pas, mais avaient coupé en quelque sorte une jambe à Troyes en permettant pas l'expansion du TGV Reims-Rhône et en permettant en revanche un lien direct avec par la 5. Moi je crois qu'aujourd'hui il faut associer nos amis de l'Aube à tout point de vue, non seulement parce qu'ils sont producteurs de raisins et de champagne de qualité bien entendu, mais aussi parce qu'ils sont concernés par Vatry, ils sont concernés par l'expansion ferroviaire, ils sont concernés par la mise en position de toutes les sorties d'autoroute et de l'accueil des touristes et de l'onotourisme, et qu'à partir de là, il peut y avoir une émulation, si vous voulez, naturelle de notre petit territoire. Plus qu'on ne le croit, mais ne le disent pas forcément dans tous les journaux ou tout au moins dans les échos chaque matin ou dans le monde chaque soir. Et ils ont investi soit dans des maisons spécialisées, soit par exemple dans des maisons qui font des bouchons, qui font des produits dérivés ou qui font des capsules. Je rappelle que la capsule, le muselet, ce sont des inventions purement champenoises qui se sont faites à Chalon-en-Champagne en complément de Reims et d'Épernay. Et je rappelle aussi que tous ces éléments indirect cette fois-ci,
se font par des investissements en bande, c'est-à-dire vous avez des caisses de retraite aussi, ne l'oublions pas, qui sont actionnaires directs de maisons ou de cartonneries ou de papeterie. Donc ça veut dire en clair que si nos institutionnels, hein, ce qu'on appelle familièrement les zinzins, maisons de retraite, mutuelles et autres, investissent dans ces maisons-là parce qu'il y a une visibilité à 25-30 ans sur l'investissement, on en trouvera des éléments directs. Après, ce que je voudrais, c'est que on puisse attirer par exemple des maisons de retraite ou la Deutsche Bahn ou la Deutsche Bank en Champagne et qu'il y ait des investissements par exemple allemands, des investissements autrichiens, luxembourgeois chez nous. Pour ça, ne rêvons pas, il faut se rapprocher au niveau de nos règles fiscales. On n'y est pas encore. Après, le Brexit va peut-être empêcher d'aller acheter des terres dans le Kent et de reconfigurer ou de repenser, comme l'avaient fait nos élus déjà il y a quelques années, aux droits de plantation et aux extensions qu'on pourrait avoir avec le réchauffement climatique au hasard, au nord de la Marne ou au sud de l'Aisne. C'est de dire, on a des étudiants brillants qui passent par Reims et par des campus à Reims, que j'ai cité tout à l'heure, dont Maastricht évidemment fait intégralement partie, et qui ne restent pas forcément dans notre région. Donc si on veut les attirer, les fidéliser, et leur montrer toutes nos richesses, ben, il faut être davantage didactique et davantage pédagogique. Et à partir de là, nos étudiants auront l'ambition naturelle de rester ici, d'avoir du bon vivre, d'avoir des taux de pollution plus faibles qu'en Île-de-France ou en région parisienne, et de ne pas avoir forcément une concentration de population ou un espace moins fort qu'on trouve plutôt sur l'Est. Et alors que nous, on a un bon compromis entre le développement économique, sanitaire et social, et le fait de ne pas être trop loin de grandes capitales économiques et touristiques. C'est pas mal, hein. C'est le grand sujet du prix Nobel français, non pas le dernier, mais l'avant-dernier, c'est-à-dire Tirol et non pas Esther, où on nous dit est-ce que la numérisation et la digitalisation sont synonymes de démocratisation des acquis et des possibilités de train de vie. Moi, je ne sais pas ce que ça signifie de numériser un parfum ou de numériser une qualité gustative d'un extra brut du champagne ou encore de me dire c'est une recette d'un grand chef, elle va être déclinée sur la sole au champagne, sur le turbo au champagne, sur le crabe au champagne, ok, très bien, mais en dehors de nous dire comment il faut faire avec des tutoriels, le savoir-faire, il est là. Le coup de poignet, le coup de bien chauffer à bonne température, vous savez qu'en cuisine c'est fondamental, hein, c'est une des grandes clés de la cuisine. Là, on voit bien qu'on ne peut pas répondre comme ça en termes de démocratisation des savoirs. Alors je suis convaincu qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent accéder à de la grande cuisine, à de la finance, à une bonne gestion de patrimoine, mais la limite quand même de la numérisation fait que le savoir préalable sera toujours là. Aujourd'hui, l'accessibilité au luxe, vous n'allez pas par exemple expliquer en deux temps, trois mouvements à quelqu'un quelles sont les différentes familles du cuir. Vous n'allez pas expliquer en un tutoriel d'une heure qu'est-ce qui fait la grandeur d'une montre suisse et de l'horlogerie suisse par rapport à d'autres éléments que l'on trouve dans la concurrence américaine, par exemple. Faisons attention parce que il ne faut pas parler de choses qui ont un mystère, qui restent inaccessibles et qui restent quand même le travail ou le geste de l'artiste. Oui, parce que le luxe colle, autant que faire se peut, à une histoire familiale. Regardez avec quelle intelligence Bernard Arnault a fait en sorte de développer parallèlement différentes marques et en respectant l'histoire familiale, même en la restaurant, même en la nettoyant. Regardez comment Bruno Paillard a revigoré la marque Philipponna et a été d'une loyauté et d'une grandeur à l'égard de la famille Boisel. Je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. Donc nos histoires familiales nous collent à la peau. Elles font partie totalement de notre patrimoine, totalement de notre terroir. Et donc ce sont des étudiants modernes comme vous qui pouvez allier les compétences technologiques, numériques, digitales avec ces grandes histoires pour que tout perdure.
parce que tout change, mais rien ne change, comme disait un écrivain célèbre. À partir de là, c'est vous qui avez ces réceptacles, c'est vous qui êtes les gardiens du temple, parce que ça s'appelle tout simplement la transmission.